Et lui, il vient d'entrer dans le nouveau monde. Il a essayé le rugby et puis il s'est mis à la guitare. C'est Frédéric Fromet. Bonsoir. De quoi allez-vous nous chanter ? Mais en ce jour de clôture de la COP23, j'ai un message pour Emmanuel Macron. Message que j'espère pas trop croquignolesque. Président des riches, c'est ce qu'on te dit, alors qu'on bousille la terre, le climat, pourquoi ne deviens-tu pas président des ruches? Si t'es pas sensible au déclin des abeilles, pense au moins à un patron comme Xavier Miel. Je sais bien que parmi les abeilles, y a des ouvrières sans doute illettrées, mais il y a aussi des reines premières de cordée. La petite abeille a bossé très dur pour se payer un costard à rayures. Elle ne fout jamais le bordel, sauf si quelqu'un l'emmerde. Une abeille peut butiner quelques 3000 fleurs par jour, c'est pas une fainéante. Une ruche dans ton charabia est une start-up nation. Président des ruches. Toi qui te la pète en Jupiter, pense aux abeilles et à la terre. Président des ruches. Pour toi, ce serait tout bénéfice, l'occasion de dire que nous sommes pro-polis. Plutôt que le journal Les Échos et le système, protéger l'écosystème, bannir les néonicotinoïdes, toutes ces merdes morbides. Fais-le au moins pour Frédéric Dard, pour Didier Bourdon, pour Brigitte et Séguier Pierre. Fais-le aussi pour les fémènes qui ont les seins à l'air. Fais-le au moins pour les amoureux qui seront privés de lune de miel. Je parie qu'il y a déjà des abeilles allergiques au pollen. Président des ruches. Pour sauver nos butineuses préférées, mieux vaut nectar que jamais. Président des ruches. Vite, vite, il faut que tu t'y colles. Que deviendrions-nous sans la picole? Frédéric Fromet, merci. Toute la biodiversité vous remercie. Merci.